Une méthode innovante qui vous aidera à réduire la graisse dorsale en 21 jours seulement à la maison. Un mode de vie de plus en plus sédentaire et de mauvaises habitudes alimentaires sont les principales causes de la prise de poids et de l'accumulation des graisses dans différentes parties du corps, telles que la ceinture abdominale, la culotte de cheval ou encore le dos. Pour vous aider à vous débarrasser des bourrelets sur ce dernier en 21 jours seulement, voici quelques exercices faciles et très efficaces à faire chez soi. Touchant de plus en plus de personnes à travers le monde, le surpoids et l'obésité sont devenus de véritables fléaux. En France par exemple, une étude publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire a révélé qu'une personne sur deux est en surpoids, tandis que 15% des adultes sont considérés comme obèses. Ces kilos superflus ont tendance à s'accumuler dans le corps, déformant ainsi la silhouette et provoquant de nombreux troubles de santé tels qu'une augmentation des risques de cholestérolémie, de diabète et de maladies cardiovasculaires. De plus, les personnes qui souffrent de la présence de ces bourrelets perdent leur confiance en elles et ont une très basse estime de soi. Pour remédier à tout cela, vous retrouverez dans la suite de cet article, des exercices qui vous permettront de venir à bout de ces couches de gras au niveau du dos, d'améliorer votre posture, de réduire vos risques de douleurs musculaires et articulaires, mais aussi d'affiner votre silhouette. Vous n'avez qu'à faire 3 séries de 15 répétitions de chaque exercice, 3 fois par semaine. Au bout de 21 jours, les résultats vous laisseront sans voix. Exercice pour affiner et tonifier votre dos. L'exercice BNT over circular row. Appelé également row horizontal avec mouvement circulaire, cet exercice cible le haut et le milieu du dos et aide à tonifier les biceps. Pour le réaliser, prenez vos haltères, tenez-vous debout, puis pliez légèrement les genoux et penchez votre buste vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Veillez à garder le dos bien droit et à contracter vos muscles abdominaux pour vous soutenir. Tendez les bras le long du corps, puis faites un mouvement de rotation en pliant et dépliant les coudes. Faites de même dans l'autre sens. Conseil, commencez avec des haltères légers puis augmentez progressivement l'intensité de l'exercice en utilisant des haltères plus lourds. Le push and touch. Cet exercice renforce le haut du dos, les épaules et la poitrine. Toujours en position debout, écartez les pieds à largeur des épaules et tendez les bras le long du corps. Haltère en main, dirigez vos paumes vers l'avant, puis soulevez les bras à hauteur des épaules, les paumes dirigées vers le plafond. Restez ainsi pendant quelques secondes, le temps de ressentir une sensation de brûlure au niveau des bras. Ensuite, soulevez vos bras au-dessus de votre tête, de manière à ce que vos paumes soient maintenant dirigées vers l'arrière. Redescendez doucement les bras au niveau des épaules, faites une pause, puis revenez à la position initiale. Elbow kiss ou baiser des coudes. Cet exercice vise à tonifier les muscles du buste et des épaules. Debout, genoux écartés à largeur des épaules, levez les bras sur les côtés à hauteur des épaules. En tenant vos haltères, pliez les coudes jusqu'à former un angle de 90 degrés et dirigez les paumes vers l'avant. Ensuite, ramenez vos bras devant votre poitrine jusqu'à ce que vos coudes se touchent, puis revenez à votre position initiale. Assurez-vous de ne pas lever les épaules pendant tout l'exercice. Le fly inversé. Cet exercice renforce les épaules et le haut du dos. En vous tenant debout, pliez légèrement les genoux puis inclinez votre buste d'environ 45 degrés vers l'avant. Ensuite, placez vos mains, en tenant les haltères, l'une en face de l'autre au niveau des genoux. En pliant légèrement les coudes et en serrant les omoplates, soulevez vos bras vers les épaules sans arriver complètement à leur hauteur. En réalisant cet exercice, veillez à ce que votre dos reste bien droit. Autre conseil pour une silhouette plus harmonieuse. Un régime alimentaire sain et équilibré, privilégiez les aliments frais et naturels riches en nutriments et en antioxydants qui nourrissent le corps, le protègent contre les radicaux libres et limitent le stockage des graisses. Boire suffisamment d'eau pour maintenir un niveau d'hydratation optimal dans le corps, favoriser l'élimination des toxines à travers l'urine et la sudation, et prévenir le phénomène de rétention d'eau.
Réduire son niveau de stress. Un niveau de stress élevé fait augmenter les niveaux de cortisol dans le corps, une hormone pro-inflammatoire qui favorise la surproduction et le stockage des graisses.